Bonjour Aldaïra. Merci de bien vouloir partager cette communication amicale avec moi. Je suis Aldaïra de Vega. Je t'écoute. Que penses-tu de l'avancement du projet de l'amitié humano-stellaire 2020? Nous de Vega, nous nous en réjouissons et nous sommes très satisfaits de votre mobilisation et action-opération sur les sites que vous avez choisis. Le nouveau réseau de Vortex Arc-en-Ciel est-il activé à la bonne vitesse et qualité pour le grand événement? Oui, la propagation et le développement de ce réseau essentiel est très satisfaisant et nous vous incitons à continuer son expansion via la centrale cosmique mère qui vous a été révélée par les civilisations des âmes. Pourrais-tu me parler un peu plus de cette civilisation? Oui, elle est une collectivité d'âmes du plus haut niveau d'évolution, fusionnée à un complexe sociétal de niveau 9. Et elle est constituée des fusions spirituelles de vos êtres intérieurs. La Fédération des planètes unies au service du Créateur infini, en est-elle une expansion? Elle en est une émanation en densité 6, 7 et 8. Les deux convergences harmoniques du 22 juillet et du 15 août peuvent-elles résonner avec le départ d'un nouveau programme de régulation planétaire? Oui, en effet, cette affirmation est très proche de votre réalité actuelle. J'ai prévu le développement et déploiement des outils d'action de masse planétaire pour septembre 2020. Cela est très bien calé dans le programme et Rumi et moi-même, nous vous y aiderons de notre mieux. J'ai prévu une rencontre rapprochée vers le 22 septembre 2020 avec des membres de la Star Alliance Member. Êtes-vous en accord avec ce projet? Selon votre disponibilité et votre maturité au niveau de votre conscience émotion, nous nous ajusterons pour des interactions plus intenses et manifestées vers cette période. Merci Aldaïra pour cette belle communication. Que la lumière de Vega vous accompagne.